C'est sûr qu'on a rendez-vous ici? Oui. Daniel nous a dit dans son courriel de le rejoindre précisément dans ce bar. Pourtant, ça n'a toujours pas une once de Daniel. Ouais, c'est vrai, ça. Par contre, il y a des jolis petits lots. Attends, je vais l'aborder, j'ai une technique imparable. Excusez-moi, belle fleur. Oui? Est-ce que t'as vu Daniel? Daniel? Oui. Non. C'est des mentiries, t'es un sacré dragueur. Tu m'apprennes un jour. Eh oui, je suis insatiable. En parlant d'amour, je prends un sex on the beach en attendant Daniel? Grave. Allez, c'est ma tournée. Eh ben, mon Franck, à peine quelques heures passées sous le soleil, t'as la peau dorée comme un petit beignet plein d'huile. Mais non. T'as un teint magnifique. Merci à toi. T'as vu? C'est un bar de pouce. Excuse-moi. C'est quoi exactement le principe d'un bar de pouce? C'est un bar dans lequel on pousse. Bon bah, on trinque? Allez. 1, 2, 3. Personne ne bouge! Ça braque! Mon Dieu! Tu penses qu'on va mourir? J'espère pas. Moi, je pense qu'on va mourir. Tu m'étonnes. Toi, le chauve! Mange ton portefeuille! Sinon, je bute ton pote, ok? Ok, ok, mais nous faites plein de mal, s'il vous plaît. Un geste brusque! Ça fait plaisir! Ok? Vas-y. Qu'est-ce que tu viens de dire, toi? J'ai rien dit. C'est ma gueule? J'ai rien dit, monsieur. Tu veux que j'ai un moteur, c'est ça? Non! Et bon! T'es mort! Daniel! Eh oui, les gars! Désolé, c'était une blague. Oh mon Dieu! Tu nous as fait une peur bleue! En fait, tous les 16 août en Belgique, on organise un faux braquage. C'était un Franck, tout simplement. T'es un grand malade, mon Daniel. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous avez vu un fantôme ou quoi? Alors comme ça, on fait des braquages dans mon bar?